Attenzione, Ronaldinho. Saison 2006-2007, on revient sur cette saison-là. Le Real est champion avec 76 points à la différence de but. À la différence de but, à la confrontation directe plutôt. Attention, ouais. Lapsus. c'est assez particulier, je crois. D'ailleurs, en plus, il faudrait voir, mais ce n'est pas tous les championnats qui sont concernés par cette règle. Il me semble peut-être qu'en Italie, c'est pareil. Mais en Algérie, c'est pareil aussi. Ouais. En Algérien. Après, on a oui, la Ligue 1, bien entendu, c'est différent. Du coup, voilà, le Real est champion en confrontation directe, je vais y arriver, avec 76 points. Il faudra attendre 10 ans, 2016-2017, pour retrouver le Real avec un aussi faible total en Liga. Voilà, ouais. Donc ça contraste un peu avec ton impression de domination sur cette Liga du Real Madrid, Samir. Mais on a pu revoir ça ensemble. On a vu que bah au final le Real finit très très bien la saison avec 7 matchs où ils viennent chercher le titre, où ils se relancent d'ailleurs contre Séville à domicile, je crois 33e journée de Liga, où ils battent Séville à l'arrache et du coup ils passent devant Séville, donc ils reviennent deuxième au classement. Je crois qu'ils reviennent à moins de 5 points du Barça, 5 ou 3 points, faudrait voir. Et sur les toutes dernières journées, il passe devant le Barça à la toute dernière journée. Si on regarde sur le début de saison, ils ne font pas un mauvais début de saison, mais ils s'écroulent en fait en première partie de saison, juste avant la trêve, avec deux ou trois défaites d'affilée. Mm-hmm. Ils perdent contre Saragosse, ils perdent contre l'Espagnol. Ils mangent un 3-0 très très méchant. En première partie de saison, ils perdent à Séville. Je crois qu'ils perdent aussi à Valence. Ils perdent contre Retafe aussi à l'extérieur, le Retafe de Bernd Schuster, qui d'ailleurs était pressenti pour être l'entraîneur cette année-là. L'équipe de Retafe aussi qui aura tenu la dragée haute au Bayern Munich en Europa League. On se rappelle cette qualification à l'arraché avec un but de Luca Toni à la dernière minute et sur une passe décisive d'Oliver Kahn qui était parti à l'abordage. C'est ça. Coupe de l'UEFA, si je peux me permettre du coup. Oui. Oui, à l'époque, c'était encore la Coupe de l'UEFA. Et d'ailleurs, c'est l'une des... Alors, pas des rares saisons, mais c'est pas la première fois que le Real gagne le titre à la dernière journée. Et le Real avait déjà perdu le titre à la dernière journée dans les années 90, ouais. Avec des déplacements à la con. Comment ? Il y a deux saisons, hein, quand ils jouaient encore sur leur terrain d'entraînement, ils perdent... Ils perdent le titre à la dernière journée. On se rappelle de la Tetigo qui gagne Ric-Rac. Ouais. Exact. Avec le but de Suarez, là, dernière seconde, enfin, dernière minute, genre. Dans les dernières minutes. Et le Real avait espoir aussi, parce que l'Atlético perdait un moment. Voilà. C'est ça. Et ouais, du coup, niveau calendrier, on va dire qu'il y a eu des séries un peu noires sur cette saison. Capello a failli sauter après sa défaite à Retafe, sachant que le premier match de Ligue des Champions, ils prennent 2-0 à Lyon. Du coup, voilà, c'est bien ce que je disais. Ils perdent contre le Recreativo 3-0 à domicile à la 16e journée de Liga. Ils prennent 2-0 à La Corogne. Et ils perdent assez vite, d'ailleurs, du coup. Après, La Corogne, c'était mi-championnat, mais début 2007, début année 2007. Et ils enchaînent aussi, pareil, au mois de janvier, début février, une défaite à domicile à l'extérieur contre Villarreal, une défaite à domicile contre Levante. Donc là, ils étaient assez largués niveau championnat, mais ils vont se reprendre. Ils vont se reprendre vraiment avec un finish de fou.
Un Barça qui, pendant longtemps, était premier sans grande inquiétude et qui va s'écrouler un peu. Enfin, s'écrouler. Il va y avoir des scénarios de match un peu, dire, historiques. Ça vous rappelle pas un scénario en Ligue 1 aussi, ça? Oui. L'Olympique de Marseille, du coup. Après, voilà, Marseille avait laissé de l'énergie en Coupe d'Europe. Là, le Barça sort en huitième. Le Real sort en huitième. Gerrard, and it's Couch, right into the belly of the Barça defense. Valdés didn't know where it was. Here's Risa. 2-1 Liverpool. John-Arne Risa. Tamudo qui enlève le titre au FC Barcelone avec un match de fou à la 37e journée. D'ailleurs, c'est ce match-là où Messi marquera de la main oui. pour donner l'avantage au Barça. Il mettra deux buts ce soir-là et but dans le temps additionnel de Tamudo. Et voilà. Et puis dans le même temps, il me semble que pareil sur la fin de match à Saragosse, on a un doublé de Van Nistelrooy qui fait que le Real prend un point et reste devant. Vivir para ver, puede ser gol, decíamos, Van de Man, Van Nistelrooy, 2-2, 2-2, viva el fútbol, es solo rock and roll, pero me gusta. Vaya 5 minutos que nos esperan, pero es que fíjate el pase que le ha metido Guti. Ojo, gol del español parece. Atención. No sabemos si ha habido gol del español, porque aquí se está montando una. Me dicen que sí. Sí, dicen que gol del español. Esto podría ser ya. Madre mía. Mira del banquillo del Madrid, cómo se levanta. Sí, 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 gol del español. Madre todo el banquillo mía, saltando con ese madre gol mía. Del español. Vivir para ver, solo pues está sí, contando la sexta. La sexta, la sexta, no cuenta la liga. El día de la hora H, prácticamente todo el se banquillo, suele... Guas. Todo el banquillo de pie, Guas. Sí, que se nos cuela toda la gente, no falta. Ya, ya. Cuento, nos pregunta. El preparador físico de Fabio Capello. Cuánto falta en Barcelona? Sí. A ver si es verdad este Madrid de la remontada. Un Espagnol de Barcelone, qui fera la finale de Coupe de l'UEFA contre Séville. La même année? La même année, en 2006-2007. Okay. Okay. Ok, oui, je me souviens de cette saison-là. C'était la période où les clubs espagnols commençaient vraiment à... Ouais. à dominer cette compétition. Enfin, ça avait commencé avec Valencia quelques temps auparavant. Après, il y a eu la domination de Séville, il y a eu l'Espagnol qui s'est invité. Il y a l'Atlético aussi qui la gagne quelques temps après. Du coup, voilà, ouais, à peu près sur le scénario de cette saison-là en Liga. On a un championnat très disputé, où même d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Séville peut être champion encore à la dernière journée si justement... le Real et le Barça perdent en même temps, je crois. Toi, Samir, ce que tu retiens sur cette saison-là, c'est un match marquant à nous sortir, même si ce n'est pas une saison glorieuse sur la scène européenne. Il y a peut-être un match en plus. Oui, je peux. Jamais ce match complètement fou au New Camp, le 3-3 classico, c'était vraiment impressionnant. Alors, apparemment, en tout cas pour l'époque, c'était l'un des plus beaux classicos qui a été disputé, apparemment. Sincèrement, oui. Sincèrement, oui, ça allait dans tous les sens. Il y avait des buts, de l'agressivité, des cartons rouges. C'était vraiment un classico comme on les aime. Je remarque un peu que l'intensité des classicos ces dernières années aura un peu baissé. Dû à quoi, je ne sais pas. Mais comme à l'image de certains classicos PSG-OM. Mais franchement, et puis même aussi le classiqueur. Bayern Dortmund aura l'intensité aura un petit peu baissé, même si on assiste quand même à des matchs de bon niveau. Alors, on a des matchs de bon niveau à Dortmund, après à l'Allianz Arena, c'est compliqué. Hein. Non, c'est sûr. Il y a un écart de niveau, un peu comme les PSG-OM où quand on joue au Vélodrome, c'est toujours disputé. Et au Parc des Princes, bon, c'est pas des beaux matchs à voir en général. Disputé, oui, ça dépend lesquels. N'oubliez pas que le PSG globalement bat. Je trouve que c'est quand même n'oubliez même pas si c'est à l'avantage de Paris, je trouve que quand même c'est des matchs assez disputés dans le jeu, c'est jamais des victoires
À part une avec Emery, c'est jamais des victoires vraiment. Voilà, une avec Emery. Enfin, dans les poches. Vous battez 5 ou 6-2. 5-1. 5-1, ouais, je ne vous dirais pas. Ce match-là, je crois que ça aurait été un des pires classicos que j'aurais pu vivre en tant que supporter. Je planais. Ouais. Je souffrais. D'ailleurs, quand t'enchaînes 4-0 Barcelone, 5-1 contre Marseille, tu te dis, quand t'es supporter du Paris Saint-Germain, tu te dis, putain, il y a un bug là. Qu'est-ce qui se passe? Et le club fonctionne bien, il n'y a pas de crise, tout le monde joue, tout le monde se la donne. On a très vite compris que ça n'allait pas durer longtemps. Je pense que tu es parti vers les sommets et finalement, tac, retour à la réalité. On peut pas se faire remonter 4 buts, il l'a dit. Et t'es passé. T'es content ou t'es pas content? Oui, j'ai compris. Enfin bref, et sinon d'ailleurs, t'es pas revenu dessus, mais le Real met 2-0 au Barça au match aller. Oui. Mais par rapport oui, en qualité de match, etc. Le 3-3 est beaucoup plus marquant que le 2-0. D'ailleurs, ça a un peu remis, ça a un peu peut-être redonné confiance au Real, dans le sens où voilà, il y avait eu la défaite à Rétafé où il avait failli sauter Capello après ça, parce que quand même le Real, niveau contenu, jouait vraiment très très mal. Je pense que les joueurs s'arrachaient, puis tu avais des individualités énormes, comme tu as cité, qui ont fait que le Real a pu être champion cette année-là. Mais voilà, le Real gagne 2-0 contre le Barça au match aller avec un but de Raúl dans les 2-3 premières minutes, qui cueille le Barça à froid. Un Barça qui, au final, aura lâché le championnat par manque de régularité, notamment dû à des blessures. On a eu une blessure d'Eto, notamment en première partie de saison, qui est absent du coup à Madrid, à Santiago. On a Messi qui se blesse, je crois, pour plusieurs mois. C'est assez rare d'ailleurs de voir Messi blessé pour plusieurs mois. Ouais. Et voilà, donc je pense que le Barça perd aussi le titre sur ça, et aussi parce que là on va regarder vite fait l'effectif du Barça au niveau des remplaçants, c'était pas non plus ouf ici devant. D'ailleurs, ouais, juste avant de faire. Ouais, d'ailleurs, j'allais juste dire, juste avant de faire un peu, voilà, de passer en revue les effectifs. Non, ce qui est fou quand même, c'est que après ta rétrospective donc de la saison, c'est quand même que le Barça, ils finissent quand même avec plus de buts marqués, moins de buts encaissés que le Real. Finalement, à la confrontation directe, donc ils finissent derrière, ce qui est dommage. Et aussi, du coup, je vais en profiter pour poser ma question que je n'aurai pas l'occasion de reposer, je pense. C'est pour vous, qu'est-ce qui est le plus méritant, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire de gagner donc au goal average donc sur la saison, ou de gagner en termes de confrontation directe donc contre son adversaire, son rival, on va dire, sur le championnat. Titre. Moi, je trouve que la logique de la différence de but, elle est normale parce qu'on est dans c'est un championnat, c'est pas une coupe. Mais pour moi, tu mérites pas d'être champion si tu bats pas ton adversaire en confrontation directe. Enfin, il y aura comme un sentiment un goût d'inachevé, j'ai envie de te dire. Alors moi, je comprends cette vision, elle se défend complètement, mais j'estime qu'une saison, c'est 38 matchs, et le champion, pour moi, à mon sens, doit être dominant réellement sur tous les matchs et non pas de confrontation. Je peux te comprendre, mais je peux rajouter un petit truc, là j'ai la stat sous les yeux. Le Real, cette année, c'est 38 matchs, 66 buts marqués. On est à moins de 2 buts par match, on est à 1,73 buts par match. Ce qui est hyper faible, surtout quand on connaît le Real, qui est une équipe traditionnellement offensive, même s'ils ont un style de jeu très, très direct. Et c'est l'attaque. C'est ça, le Real. Et le Barça, il finit ça à plus 45, un truc comme ça, non ? Ça, si je calcule, on est à 2,05 buts. Bon, c'est pas non plus oufissime quand on connaît le Barça, mais quand même, ils sont à 2 buts par match. Donc, tu as un champion avec moins de 2 buts par match. C'est assez rare pour le souligner, et puis même le total, il est famélique. Enfin, et même Yessine, au niveau du goal average, il finit genre avec genre un truc du genre plus 20 et quelques, qui est le Barça plus 26, plus 40, c'est le Barça plus 45. Ah, tu vois, quand même. Hein. On est d'ailleurs, pour le Real, ils ont pris 40 buts, donc ça fait un but par match, et le Barça est à moins d'un but par match. C'est vraiment beaucoup plus de nuls. On a quand même un Real qui est champion avec 8 défaites. Enfin, c'est abusé, 8 défaites. Ouais. Je crois, beaucoup. Hein. Après, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur la première vidéo, les gars. On est sur un Real en transition. Certes, mais. Donc, c'est un Real qui est réellement en reconstruction. Donc, c'est une équipe qui se cherche. C'est une équipe qui a intégré des nouveaux joueurs. Et qui s'est cherché tout au long de la saison. Hein. Parce que Capello sautera d'ailleurs à la fin.
La problématique, les gars, n'oubliez pas, c'est un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs, une nouvelle ère, un nouveau président. C'est normal que l'équipe se cherche, que la mayonnaise prenne. Donc, franchement, moi, je trouve que… Juste à contrario, certes, mais à contrario, la saison suivante, le Real, c'est 84 buts en 38 journées, donc 2,2 buts par match, et c'est 85 points. Donc là, on a vraiment la gueule d'un champion, on va voilà, dire. Voilà, parce que l'équipe s'est trouvée réellement. Voilà, et le Barça, d'ailleurs, finira avec 67 points. Et ce qui est vraiment, ouais, vraiment… Parce que là, c'était vraiment la fin, là. Ah oui, là, c'était la fin de la Rony, fin. Tout ça. Voilà, si on retourne du coup sur le classement rapidement, d'accord, on a le Real premier, Barça deuxième, Séville troisième, avec 71 points, Valence qui finira… Quatrième, c'est la dernière belle année du FC Valence. Après, c'est la débandade avec la crise financière. Ouais. On a Villarreal cinquième. Mm-hmm. Villarreal avec Robert Pires. Saragosse sixième. L'Atlético Madrid septième. Et on a entre Valence et l'Atlético, on a 6 points d'écart. Donc, c'était assez disputé. C'était un championnat globalement très disputé. Et c'est ce que ressemble, à quoi ressemble la Liga quand le Real et le Barça ne sont pas à leur propre niveau, on va dire. Mm-hmm. Championnat qui globalement est assez homogène vers le haut et pas non plus en qualité, je trouve, au final. Parce que quand on dit en France, quand on a des champions avec un faible total, on dit souvent que ouais, c'est parce que le championnat n'est pas qualitatif. Mais là, on n'a pas l'impression que c'est un championnat qui perd en qualité. Et juste au niveau des descentes, le Betis se maintient à la dernière journée. Je crois que c'était Luis Fernandez qui était venu en sapeur-pompier pour sauver le Betis. Avec Fabrice Pancrate en prêt là-bas, je tiens à le préciser. Ah bon ? Ouais. Ah, ça, je ne le savais pas. Et ben, moi, je me souviens de Téléfoot qui suivait Luis et Fabrice. Je ne me rappelais pas avoir vu Fabrice Pancrate. Tous les dimanches, tu pouvais voir leurs aventures. Ils se maintiennent avec 40 points. Le 18e descend avec 39. Hein. Purée, moi, je croyais que Fabrice Pancrate à l'étranger n'avait joué qu'à Newcastle. Non, il est parti aussi au Betis. Oh la vache, franchement, je crois qu'il va à Newcastle la saison suivante. Exactement, en deuxième division à l'époque. Ouais, je ne ferai pas de commentaires. Si, si. Je ne ferai pas de commentaires sur Fabrice. Oh, mais je te crois. Ah oui, hein. Sur... voilà. Du coup, voilà, ouais, sur le classement de. Et surtout, je reviens sur un truc, le Celta Vigo, qui à ce moment-là était encore un club historique. Il descend en deuxième division. Tu as aussi comme club historique la Real Sociedad aussi qui descend, qu'on n'a pas oui, précisé. Oui, mais un cran en dessous quand même du Celta. Et tu as Tarragone qui finit dernier de la Liga. Exactement. Après, on a Santander et Retafe, ouais, 9e, 10e. D'ailleurs, je crois que c'était Retafe à l'époque qui était sponsorisé par une entreprise qui s'appelait PSG, qui n'a rien à voir avec le club de foot, mais c'était une entreprise dans le bâtiment. Je crois que c'était Retafe ou Santander à vérifier. Mais sur leur short, ils avaient un sponsor sur le short et tu voyais PSG. Non, alors, je ne savais pas. Mais c'était une entreprise dans le bâtiment, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Alors, rien à voir avec le fossoyeur de la Liga, comme dirait Javier Tebas. Voilà, après, sinon, niveau effectif, on commence par quoi ? Le Real, le Barça, Séville. Bah, voilà, comme voilà, j'ai. Balance. On va faire ça rapidement. J'ai une belle data dans ma tête, je suis bien placé. Allez, pour on t'écoute. Du coup, déjà, le Real Madrid, on retrouve une belle paire de gardiens de but. On retrouve Iker Casillas et Diego Lopez. Ils sont deux très bons gardiens. Diego Lopez n'était pas encore connu à l'époque comme on le connaît aujourd'hui, mais ça restait un grand espoir de la Castilla. Au poste d'arrière droit, on avait Michel Salgado qui était vers la fin, mais qui quand même faisait de bons matchs, de bonnes entrées. On avait Sergio Ramos qui évoluait au poste d'arrière droit avant de passer en défenseur central. Une recrue phare, Fabio Cannavaro, Ballon d'Or 2006, testé ou pas, c'est un autre débat. On avait Ivan Elguera qui était sur la fin. On avait Ivan Elguera, on avait Mamadou Diarra qui venait d'être recruté en numéro 6, numéro 7 Raoul, numéro 8 Emerson, qui était aussi une recrue de la Juventus après le scandale du Calciopoli. D'ailleurs, le scandale du Calciopoli on aura beaucoup profité au Barça et au Real. Donc voilà, on aura Ronaldo R9 qui fera ses 6 derniers mois avant de partir au Milan AC. Robinho, voilà, grand espoir qu'il était. À cette époque-là, Pelé le considérait comme son héritier. Après, on avait Marcello, qui avait 17 ans à l'époque, qui arrive à la mi-saison.
Guti, qui était sur ces dernières années, Guti Hernandez, et Raúl Bravo, le défenseur mexicain, Gago, qui venait d'arriver, Van Nistelrooy, Cassano, qui était sur sa dernière année, après, ce que j'oublie, Beckham, qui était sur sa dernière année, Roberto Carlos, qui était sur sa dernière année. Donc voilà, un petit mot sur cet effectif. Un petit mot, il y aura certains qui vont commencer un peu à s'affirmer, mais ce sera plus les saisons suivantes, je trouve. Notamment, enfin, Robinho, la saison suivante sera limite monstrueux. Il donnera, fera partie vraiment de l'un des protagonistes de la Liga suivante gagnée par le Real. Dommage qu'il parte d'ailleurs à City, même s'il croyait qu'il allait à Chelsea. On a aussi Ramos qui commence à s'installer. On retiendra les maillots floqués de Chelsea à l'époque. Quel génie ce type. Aussi. Ouais. Excusez-moi les gars, je te coupe Yessine, j'ai oublié de parler de Cicinho, qui était également un grand espoir à son poste. Complètement oublié. Cicinho qui va pas à la Roma après. La paire d'Arlavignon à la suite, Meria et Pavone. Et voilà, c'est tout. C'était juste cela que j'avais oublié. Et aussi un jour. Il va bien à la Roma, Cicinho. Je me suis pas trompé. Non, mais il a fait. Il était cette année-là, il aura joué à Madrid, je m'en rappelle encore. Oui, et il part en 2007 à la Roma, c'est ça. Exactement, tout à fait. Un très bon joueur, cependant, qui aura avoué quelques années plus tard avoir eu des gros problèmes avec l'alcool, ce qui aura vraiment plombé sa carrière. C'est pas le seul. Ouais. Du coup, côté rival, on aura eu aussi une belle paire de gardiens de but. Victor Valdés, qui à ce moment-là était avec Casillas le meilleur gardien d'Espagne. L'éternel remplaçant Jorquera, qui était un des gardiens historiques du club. Je me rappelle aussi de Oleguer, de Rafa Márquez, qui était aussi un très bon défenseur et surtout très bon tireur de coup franc. Puyol, Zambrota, Thuram, hashtag le calcio poli. Au poste de milieu terrain, on se rappelle d'un certain Thiago Motta qui était sur sa dernière année avant son départ à l'Atlético de Madrid. J'oublie le plus important, Belletti, Juliano. Hashtag là. Absolument, et puis Johnson qui viendra remplacer Larsson qui part, je crois, au Celtic. Exactement, qui part au Celtic et après qui aura été prêté 6 mois à Manchester United. Je ne sais pas, j'ai un petit flou sur Giovanni Van Bronckhorst, s'il fait partie de cet effectif. Il est là. Okay. 23 matchs. Il y a Edmilson et Silvinho. C'est ça. Je me rappelle également, est-ce qu'en défense, j'ai oublié des noms. Je pense que j'ai cité. Je ne sais pas si tu avais cité Thuram, Oleguer. J'ai cité Zambrota et. Sur les milieux, rapidement au milieu, du coup, on a Deco, Iniesta, Xavi. Ouais. Crosas aussi, avant qu'il soit prêté à l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Qui était vraiment un grand espoir à l'époque, c'est dommage. Il y en a eu beaucoup des grands espoirs de cette génération-là. Il y a notamment Boyan, les frères Giovanni. Bojan Krkić, ce sera plutôt vers l'année d'après où il aurait. Ouais, évolué, c'est ça. C'est l'année d'après où tu as beaucoup de jeunes qui sortent et il y en a très peu qui. Et puis même encore après, il y a eu Cuenca, Giovanni Dos Santos, etc. Ouais, voilà. Ouais. Et en attaque. Toujours très bon avec la sélection, lui. Si on reste sur le Barça. Oui. Rapidement, niveau attaquant, du coup, comme on a dit, il y a Eto'o, Saviola, qui sera beaucoup blessé. Il y aura un ratio intéressant quand même. Ouais, 18 matchs, 5 buts. C'est intéressant quand même comme ratio, même s'il n'a pas été très sollicité les blessures et la concurrence rude. C'est pas ouf, mais bon, ça restait quand même un attaquant de bon niveau quand même. Et l'année d'après, il sera parti au Real Madrid, mes chers. Ok. J'avais oublié s'il avait fait d'abord Barça-Real ou Real-Barça. Non, il avait fait Barça et après le Real. D'accord, ok. Et on a aussi, du coup, Gudjonsson, Eto'o, bien entendu, Messi et Ronaldinho. Du coup, c'est le 4-3-3 du Barça, quoi. Rony à gauche, Eto'o devant, Messi à droite. Messi, première saison où il démarre vraiment en tant que titulaire, même si 2005-2006, il avait vraiment commencé à jouer aussi. On a Julie sur le banc, d'ailleurs il partira parce qu'il savait qu'il allait plus trop jouer avec Messi devant lui. Alors Romain, si vous avez un but à retenir
sur cette saison? Ouais, en Liga. Alors, je vais vous surprendre. Karim Benzema sera d'accord. Ronaldinho et... Pas de but de Roud. Pas de but de Roud. Non, 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 je... aussi passionné que je sois de mon club et de mes joueurs, je sais rester objectif et je retiendrai ce but de Ronaldinho qui nous fait un retourné acrobatique, mais dont seul lui a le secret. Dos au but, sans avoir les yeux rivés vers la cage, ça restera quand même un des buts qui m'aura marqué. J'oublierai pas aussi le but de Sergio Ramos de la tête alors qu'il est dos au but également. Ouais. Donc je en premier je dirais sans aucune hésitation le but de Ronaldinho. Et toi Karim? Franchement comme ça je serais pas loin de penser pareil que Samir. Franchement c'est vrai que le but il est assez surprenant, surtout que Ronaldinho en plus pour moi en fait j'ai resté en fait sur sa Coupe du Monde un peu raté, etc. Ouais, et il la rate sa Coupe du Monde qu'il la rate. Quand même. Raté sa Coupe du Monde, les gars. Trouve. Ouais, mais quand même, Ballon d'Or. Frère, c'est Ronaldinho. Il rate sa Ronaldinho. Coupe du Monde. Comme ça, tu te la rates. Bah, Ballon d'Or. Pas Malouda, hein. On parle pas de Malouda. Hein. On parle de Ronaldinho. Pourquoi tu lui veux attaquer comme ça à Florent? Non, mais parce qu'un joueur comme Malouda, tu vois, c'est vraiment un bon joueur. Il fait une belle Coupe du Monde, Malouda, tu vois. Bien sûr, mais Ronaldinho, tu t'attends à de l'exceptionnel. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème que je reproche à beaucoup de gens. C'est qu'avec les grands joueurs, c'est soit blanc ou noir. Bah, oui. Je suis pas d'accord, moi, avec cette vision. Franchement, tu ne tapes pas des barres. Non, mais Samir, regarde. Mais Ronaldinho, il ne met même pas de but pendant la Coupe du Monde. C'est vrai, mais il nous aura quand même fait... Elle a mis trois passements de jambes contre le Ghana, c'est bon frère, faut arrêter. Même contre la France, on l'attend. Très on l'attend. Moi je te jure Samir, je me rappelle encore du match contre la France, j'attends qu'il le mette ce coup franc, je l'attends, il le met pas. J'avais un pote qui préférait le Brésil à la France et qui est limite à pleurer après le match. Mais moi j'étais très content qu'il le mette pas, mais j'adorais Ronaldinho et j'adore toujours Ronaldinho, c'est mon joueur préféré. Mais ouais, 2006, je me souviens, pour moi, et ça commençait déjà à être... La fin d'ailleurs, j'ai trouvé une petite stat assez amusante sur un site qui s'amuse à noter les joueurs en fonction de leur performance en match avec de la data. Et vous voyez très bien, je mettrai le graphique, vous voyez très bien la cote de Ronaldinho qui commence à chuter à partir de 2006 et 2008, c'est rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire son prime, c'est 2005-2006, c'est là vraiment où sa valeur en termes de performance est la plus élevée. Et vous voyez que 2007, ça chute un peu, mais c'est quand même honorable. Par contre, 2008, on est... voilà, c'est une cata. Donc c'est le sentiment qu'on avait, et même je me souviens de l'émission de M6 d'Estelle où il montrait l'évolution de Ronaldinho physiquement et tu voyais les tablettes de chocolat peu à peu disparaître entre 2004 et 2008. Ça faisait pas peine. Ça fait penser à quelqu'un. Mais voilà, un Brésilien qui joue au PSG, qui a joué au Barcelone. je sais pas, je pose la question en vrai. Ça doit pas être le seul d'ailleurs en venant au PSG. À Maxwell du coup alors? De quoi? Non, je pense pas. J'ai pas entendu. Je pense pas que Maxwell soit concerné par ce genre de problème. Plutôt à un mec qui était amateur des teintures blondes et d'accord. Qui a un numéro 10 dans le dos. J'ai pas entendu les gars. Vous avez parlé de quoi? De un mec qui te fait penser à Ronaldinho au PSG, qui voit ses tablettes de chocolat disparaître peu à peu. Ça te dit parler Ronald Junior. D'un certain Junior, ouais. Ouais, en partie junior. Oui. Enfin, pas d'un certain junior. J'annonce d'ailleurs dans le podcast grosse saison de Neymar. On verra. Grosse Coupe du Monde. C'est dans la boîte. Ah ouais. Grosse Coupe du Monde de Neymar. Coupe du Monde assez particulière. Je pense qu'on fera un podcast dessus complet. C'est le slalom de Messi. Tout simplement. Non. Je m'attendais à ce que tu me sortes ça, Karim. Évidemment, le but de Ronaldinho, je l'ai vu et revu. Il y a aussi un très joli but de Ruud van Nistelrooy. Enfin, il n'en met pas qu'un joli. Il y a même des très belles actions. Une reprise de volée sur le centre de Miguel Torres. Celle-là est vraiment très très belle. Mais le slalom de Messi, je suis désolé, moi, il m'a marqué, il me marquera toujours à vie. On l'a tous. Moi, je suis sur PES6, j'essaie de le refaire à chaque fois. Je prenais Messi côté droit et je dribblais tout le monde avec KRX. Et non mais voilà, c'est ce but-là que je retiens.
la réaction de Eto'o. Aussi, ouais, aussi. Il tient la tête, il en revient pas, le mec. Tout se tenu la tête. Moi, ah, pas, ouais, moi, je n'oublierai jamais, par exemple, sur le but de Ronaldinho, quand je regardais le, quand je regardais le match sur Al Jazeera, le speaker s'est mis à crier « Oh, mon, 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 mon !» Et moi, je me rappelle, sur son but aussi, il perd son bandeau aussi. Ça commence à devenir une, ça commence à devenir une figure de mode, le bandeau. Figure de mode, je sais pas, parce que ça s'est pas vraiment vu dans la société, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de joueurs les cheveux attachés encore à l'époque. À un moment, ça s'est un peu perdu. C'était la crête qui allait arriver très vite, je pense, avec le phénomène Cristiano. Et Beckham, ouais, la crête de Beckham, on a un podcast sur les cheveux et l'influence de la société. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé les deux parties, j'imagine que c'était intéressant pour vous, en tout cas. Il y a des sujets, notamment sur cette saison, qu'on a volontairement écartés parce qu'on n'avait pas assez de temps pour parler de tout. Et peut-être que ça nécessitera un podcast à part. On s'excuse d'ailleurs pour les petits problèmes de son qu'on a eu. Ça sera réglé à l'avenir, mais pour l'enregistrement, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ça a été assez rocambolesque la manière dont on a pu enregistrer ce podcast, en tout cas pour la présentation du maillot. Si vous voyez des maillots, des buts, des anecdotes, des informations sur cette saison qui n'ont pas été dites, qui auraient pu être intéressantes, n'hésitez pas à nous les faire partager en commentaire, pourquoi pas échanger dessus. J'espère que le maillot vous a plu, j'espère que la présentation du maillot vous a plu, j'espère que les souvenirs évoqués et la saison évoquée vous a plu aussi. À l'avenir, on fera d'autres podcasts, bien entendu, mais pas forcément focus sur une saison. On essaiera de s'intéresser peut-être à un certain format de compétition, à des joueurs en particulier, à une période du football, à un design de maillot, à une évolution de l'arbitrage, par exemple, à plein d'autres sujets. Si vous avez des sujets intéressants, que vous voulez qu'on en parle même avec vous, on peut vous faire participer avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Et pareil, si vous avez des idées de maillots, des maillots que vous souhaitez présenter, n'hésitez pas aussi à nous contacter à ce sujet. Ce sera avec grand plaisir qu'on échangera dessus, parce que nous, on part du principe que pour chaque maillot, bah, y a une histoire à raconter. Voilà.